Yo tout le monde, c'est Skyrn Akléa. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit vlog. D'ailleurs je suis même pas sûr de mon cadrage, hein, c'est fait à l'arrache dans une voiture. Tout ça pour dire qu'avec Hardisk, depuis hier et aujourd'hui, on tourne les deux épisodes finaux de sa série Le Quatrième Mur. Ce qui est vraiment super cool, il y a une putain de bonne ambiance sur le tournage. Malheureusement aujourd'hui apparemment il pleut, ou du moins il y a de la brume, ça crachine. C'est un petit peu chiant parce qu'on a des scènes en extérieur à tourner. Hier on a tourné pas mal de choses, c'était assez cool, j'ai joué le rôle d'un méchant, je sais pas pourquoi j'ai toujours le rôle des méchants dans les fictions et compagnie. C'est pas grave, on va pas s'en plaindre, hein. c'est toujours super sympa à tourner, on s'éclate bien. Cette vidéo a probablement rien à voir sur ma chaîne, hein, puisque ça concerne pas la musique, mais ça concerne mes projets, ça concerne les tournages et compagnie, donc c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe pour vous. Parce que moi, évidemment, j'ai l'habitude d'en faire. Après, c'est pas toujours des tournages professionnels. C'est vraiment une bonne entrée en matière, on va dire. Je vais vous mettre quelques images du tournage, ça pourrait être intéressant pour vous. Je ne sais absolument pas ce que va donner cette vidéo, ni au son ni à l'image, parce que c'est un peu fait à l'arrache. Je dois vous l'avouer, c'est pas quelque chose de travaillé, c'est un vlog sur le tas, en fait. Du coup, je vous conseille fortement d'aller voir Le Quatrième Mur si c'est pas déjà fait, si vous ne suivez pas la série depuis le premier épisode. C'est une série qui vous parle justement des effets spéciaux, comment appliquer ça pendant une mise en situation, c'est-à-dire que c'est sous forme de court-métrage, sous forme de série en fait. Il se passe quelque chose, il se passe une histoire et puis après ça s'arrête et Hardisk explique dans l'action comment telle ou telle chose est faite en général et puis on va pas tarder à arriver. Donc nous voilà sur le lieu de tournage. Yo, salut à tous, blablabla, c'est une mise en scène. Blablabla, ah, mais c'est une friteuse. Non, c'est une machine à café. Ah merde, ça ressemble fortement à une friteuse. Bah déjà, je comptais t'envoyer si possible les pas mal de rushs que je vais faire, histoire si ça peut te servir dans le making-of. Bah écoute, ouais, ça sera la première et dernière fois que je fais un making-of. Franchement, tout ce qui est vlog et tout, je me demande comment vous faites, parce que c'est... Ah mais moi des blogs j'en fais jamais. C'est un travail que je veux vraiment aimer le cadrage quoi. En fait ce qui se passe c'est que Docteur Maxime, Mister Grandjean. Bonjour. Quelques mots à dire. Deuxième jour de tournage. On est fatigué mais ça va. Le temps est beaucoup plus brumeux qu'hier, mais ça va parce qu'au niveau raccord, il n'y a pas de souci. Ça va être long, ça va être beaucoup plus long qu'hier, mais on a pris les marques sur la journée d'hier pour pas perdre de temps aujourd'hui, donc ça va. Yes. T'as vu, j'ai parlé juste avant la fin, juste avant la tondeuse. Bien joué. Bonjour Monsieur Kaneki. Bonjour. Monsieur, vous êtes flou. Oh. Bonsoir Monsieur Hardisk. What you gonna do? Que sont les bails? Mais dis-moi, t'as un gros calibre. Écoute-moi bien. C'est assez triste. Non. Et donc du coup, en gros, il va s'arrêter. Ouais. Après, ça va trop vite entre vous, les gars. Vraiment, vous venez à peine de vous rencontrer. En fait, je suis comme gros, ça, je suis impulsif comme garçon. Ça part déjà en baston ici. Oui. Un souci. Ouais. Un souci de mise au point. Maintenant, il n'y a plus de soucis. Donc faudrait genre que tu vois, à partir de ce moment-là, tu t'arrêtes vraiment, genre, tu t'es pris genre une balle, là, tu vois. Mm-hmm. Dans le dos? Ouais. Ouais, c'est ça. Et genre après, bah du coup, tu t'effondres, mais du coup, moi, c'est... Ouais. Oh, très belle harmonie. J'habite dans une chambre où il n'y a pas de chauffage depuis 10 ans. Et je suis tout le temps torse nu, la fenêtre ouverte. Donc ça va, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle être taille. Oh, mais ce plan des boîtes... Clément. Ouais, nickel. Okay, regarde ce plan, il déboîte tellement. On voit ton reflet et tout. On voit les reflets derrière, les reflets devant. Oh, j'avoue. Google France et Météo France ont dit ensemble qu'il pleurait pas aujourd'hui, il va pas pleuvoir aujourd'hui. Ils ont pas intérêt à avoir mytho. Hein. Wesh alors. Wesh alors. C'est Tourette, mais avec des signes de Jules comme ça, tu peux pas t'empêcher de faire les signes de Jules. Ouais, danser comme Jules en short, là, tu sais, à son truc. Y'a pas un changement de lumière là d'un coup? Si. Je pensais que c'était la caméra qui avait merdé, mais... De quoi? Je pensais que c'était la caméra qui avait merdé, vu que j'ai fait une photo et d'un coup ça s'est éclairé. En fait, non. Non, non. Tu vois, j'ai dit qu'il pourrait pas, la lumière change. Il peut pas. Tout va bien. Wesh alors, comment ça va?
Ferme ta gueule. Tu vois, ça marche. Il pleut pas, l'alarme s'arrête, tout va bien. Ce gars a le pouvoir. On va se faire tuer pour le drone, il y en a pas parlant. Alpha Tango One. Ah ouais. Putain, et le drone c'est interdit à 200 milliards pour 100 mecs. On fait un truc hautement illégal cet après-midi. On a intérêt à le faire parce qu'il n'y a pas les flics qui tournent. Ouais, non, par contre, on va se choper les flics, genre c'est pas une certitude, mais. J'aime bien l'ambiance. On va se choper les flics. On est un dimanche, les gens ils sont tous à l'intérieur, ils ont un leur chocolat chaud. C'est sûr et certain, même. Voilà, donc en gros, je pense à voilà le plan. Ok, Rouya. Non, mais depuis que je suis depuis, je me dis. Je l'ai vu, tu vois. Wesh alors! Tout le making of ça va être wesh alors! Il faut 11 heures de la journée. En fait, t'es gentil, c'est qui du coup? C'est pas les méchants. Voilà. Wesh alors! Voilà, du coup, déjà, j'aurais fait la capoeira niveau 50, voir salade comme à tenue dans la direction de la net, genre laisse tomber. Là. Ah non, d'accord. Non, c'est un making of qui on fait film en fait. Un signal à celui qui était là, d'arriver de parler. Non, c'est un vlog film. C'est un vlog que je vais envoyer en festival. Silence, s'il vous plaît! Silence! 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 Bienvenue pour un tournage, vous vous rappelez? Merci! Allez, silence! Et. Silence! Et. Action! Ok, on reprend, faites pareil en sortant de manière beaucoup plus rapide et genre stressé. Vous où est-ce qu'il est passé? Vous m'avez swipé à droite sur Tinder, on a parlé, vous avez abandonné depuis que vous êtes triste. Oh okay. Putain, je vois exactement ce que je dois jouer. C'est parfait. Ok, on refait la même. Attends. T'entends la sériosité des balles ou pas? Tu les entends à l'hydroponique, t'entends? C'est comme ça que sont filmées ces fictions sur l'internet mondial, t'entends? Ah du coup moi je meurs, je serais pas la symptomatique. Artiste, jeune youtubeur a décidé de sortir de sa chambre. Il en même ses webcam. Et sa mère la pute. Non, en vrai c'était super réaliste le cri, j'ai des gens en mode oh. Quelle sortie? Mais quelle sortie? Oh t'as fait une super mort, on va mettre un sound design à la place genre. Le manque de respect du son tu sais. En fin de compte le son c'est quoi? Pourquoi le son? C'est important. Ah, voilà. Bonjour, je m'amuse avec un matériel à 3000€. Salut, ça va? Regardez, hop, on va bien en haut, en bas, en haut. C'est bas, c'est le problème de Viagra. Oui! En haut, à droite. Oui! Ah, oui! En cerceau. Oui! Mais non, en fait. Tiens, écoute ça sur le making of, je t'adore. Eh bah oui! Moi j'imagine bien l'appel des flics là. Oui bonjour. Il y a une série de jeunes monsieur avec des grandes capes et des masques SM qui sont des flingues dans le jardin à côté. Sur la terrasse. Noir. Arrêtez, je suis pas sénile. Ça fait depuis 2012 que j'ai pas perché. Voilà. Ça veut dire que je suis très mauvais. Et avec cette perche à 96 mâchures, approximativement, je dirais 25 cadences d'enregistrement. 22 euros. Hein. Alors, on peut ressortir un plantage vite fait. Tu peux faire un rack, du coup. Voilà. Donc, par exemple, quand je perche quelqu'un, on était bien en vlog. Je m'excite un peu trop. Je sais pas. On peut sentir le. On était bien en vlog sur le plan. Je sais pas. Je t'ai demandé ma question. Est-ce que tout le monde là-bas en vlog? Tu m'as dit oui. Je vérifierai dans le pire des cas. C'est pas intéressant. C'est de la merde. C'est de la merde. Là, on enregistre ? Ouais, on enregistre. Juste faire un test pour être sûr que le format tiendra bien. Je vais faire un test pour les MST, je sais pas du coup. Du coup, tu veux que je te le fasse beaucoup moins ? C'est-à-dire qu'il suit mes mouvements, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est ça en fait, il faut le régler. Donc je te mets quoi ? Je vais te mettre. Remets-moi le visualiseur, du coup, parce que là, je vois pas. Je t'ai mis beaucoup plus long. Ouais, c'est bien, il n'est pas snappy. En ce temps, du coup, c'est léger. Je l'ai mis à fond. Après, si tu veux moins. T'es pas en train de dormir toi? Non, j'étais au téléphone, mais j'y envoie. Bon, je préfère être derrière que devant le. Je pourrais passer la journée à te filmer, mais j'aurais jamais assez de batterie. Dommage. Prends ça comme un compliment. Ouais, il faut l'accélérer. Ouais, ça va être bien. J'ai pas tendu à aller à la salle cette semaine. C'est bon, c'est réglé. Alors, ton ressenti après cette scène de baston? Rassuré.
Bon, il me dit que ça va, donc ça va. Ça va. Voilà. Mais là, je soulage bon. Un peu. Beaucoup. Beaucoup. Et le ressenti du chorégraphe. Bah, du coup, c'est la pause déjeuner. Ouais, la bonne pause déjeuner. C'est le moment où les gens déjeunent. Nom, 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 nom. Alors, dis-nous tout, si t'étais un sandwich, tu serais à quoi? Si j'étais un sandwich, je serais un sandwich... Voilà. Nickel. Monsieur Adoubou. Les gens, si vous étiez un sandwich, vous serez à quoi? Répondez tous en même temps. Au Big Mac. Au thon. À Cyprien. La bip. Je serai en hot dog parce qu'en vrai, il serait chaud. Ah, pas con, ça marque un point là-bas. Et moi, est-ce que tu peux me faire un clap, s'il te plaît? Clément, merci beaucoup du vent. Est-ce que tu peux clapper, s'il te plaît, que je synchronise mon image avec mon son? Parfait. Toujours. Alors, started from the clap. Là où il y a rire, avec the ton crudity. Alors, que penses-tu de cette dernière séquence qu'on a tournée, que les gens ne verront pas dans le vlog? Eh ben, franchement, ça devrait bien rendre. Je suis vraiment très très pressé que ça sorte, hein, ce truc-là. C'est vrai, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui auront déjà vu l'épisode du quatrième mur, évidemment? Non, en gros, on a fait un travelling avec un drone éteint, qu'on a ensuite posé, pour faire un plan final de drone qui monte. Et du coup, bah, un drone en travelling, ça marche bien. Ça marche très bien, même. Ça vole très bien. Oui. Mais le fumigène, ça crame. Et oui, nous avons eu des blessés sur ce tournage. Ouais, et des morts. Beaucoup de morts. Au moins 4. Dans d'atroces souffrances. Vous d'ailleurs, n'imaginez même pas. Techniquement, on verra pas. C'est super zoomé, mais je suis mort dans cette séquence. Oui, une très belle séquence d'ailleurs. Séquence émotion ralentie avec Skyern qui verse une petite larme avant de d'expirer son dernier souffle, le bébé. Je me suis fait, comme qui dirait, chloroformé. Oui, en fait, oui. C'est-à-dire que je suis devenu tout vert. Ok, c'est pas une chaîne humour, c'est une chaîne musique à la base. Non, ça devrait rendre bien. Franchement, tout ça, ça devrait vraiment être joli. Très bien. Blessure bactériologique. Pour vous, c'est un bordel. Ah, je vais mettre de la bière. Bon, la blessure. Qui sait, peut-être sur un tournage. Carrément. Carrément. Franchement, rien. C'est un plaisir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Monsieur Chaban, quelque chose à dire à propos de votre prestation et de votre blessure? J'ai eu très mal. Je vais porter plainte contre Henri Grismard et le quatrième mur, déjà en disant que c'est mon idée. Voilà, et qu'en plus tu fais le focus. Voilà, donc du coup, ce doigt, c'est le doigt de la liberté. Voilà, donc ce doigt a souffert pour que cet épisode existe. Du coup, ben, je peux plus me le. Enfin, bref, dans le nez, hein. Pas de ça chez nous. Voilà, donc non, c'était sympa, il faisait un peu froid. À Saint-Ouen l'Aumône, je salue tous les gens de. Tous les Saint-Ouen l'Aumône. Tous les saintes. La personne qui me dit qu'elle est le gentillé de Saint-Ouen-l'Aumône gagne ma considération. Parce que je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Les aumônios saintoisiens, les bouseux, ouais. Non, je sais pas. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Je suis curieux. Donc voilà. Non, c'est une vraie question. Parce que les Turcs, hein, c'est les Turquoises. Enfin, je veux dire, en Turquie, ils sont turquoises. Mais les Saint-Aumônois. Enfin, les. Enfin, Saint-Ouen-l'Aumône. Je veux dire, tout à l'heure, on est parti, c'est un endroit qui s'appelait Montigny-les-Cormeilles. Alors, comment ils s'appellent, les mecs? Les Cormeillans Montignoisio? Je ne sais pas. C'est chiant, ça. Tu sais ce qui. Ah merde, c'est pas mes vidéos, pardon. Désolé, cut. Truc marrant, les habitants de Saint-Cloud s'appellent les Clodoaldiens. Pourtant, là, si jamais tu veux replacer ça. C'était dans la les Clodo. Non, c'est Clé. Attends, le nouveau CM, c'est bah, ça commence pareil, les Clodo à le dire, mais. Le nouveau là, ça va voler. Il n'y a pas. Il y en a un qui m'avait dit. Tu m'avais dit que si j'avais faim, t'avais un mouvement sympa.
Bon. Ah ouais, j'ai une espèce de, tu vois, de... Ah, c'est joli, ça. Ça, c'est le Google Map, mais en... Ah, ça, c'est joli. Ah, si, faut le garder, ça. Alors là, c'est ma voiture. Alors, ce qui pourrait être sympa... Ok, je vois comment on peut faire. Ce qui peut être sympa... Si tu joues un peu dans le cut, peut-être que ça peut... Ce qui peut être sympa, c'est que tu cuts une fois, sur... tu pars du point de base, après t'as un cut sur ça, et après t'as un dernier cut sur le côté un peu Google Maps avec les parpillés, avec les figurants qui s'éparpillent. Ouais. Ah, ça va être vachement cool. Et il y a le même qui redescend jusqu'à la Terre d'une seule traite, quoi. Putain, il est allé... Putain, vous l'avez mis bien haut, hein. 120 mètres. Vraiment 120 mètres. Oh la vache. Il n'y avait rien dans le... C'est parfait, il n'y avait rien. Ah, c'est bien classe. Il y en a plein, hein. T'en as devant, derrière, côté... Voilà, je la rajuste un tout petit peu pour la faire baisser. Puis... C'est vachement sur point de face. Ouais, c'est accrépi. Tu vois, voilà, c'est en stationnaire au-dessus de la maison. Puis comme c'est de la 4K, après tu peux en zoomer dedans un petit peu. Tu... Ah, c'est classe. C'est sur la maison. Oh, c'est... J'ai hâte de voir, j'ai trop bien. Ok. Ceci n'est pas un placement de produit. Ok, donc pour récapituler un petit peu ces deux journées de tournage, au final, on a décidé de pas faire deux épisodes séparés, mais un seul gros épisode final pour le quatrième mur. C'était vraiment super cool, il y avait vraiment une putain de bonne ambiance. Le premier jour de tournage, comme je l'ai dit au début du vlog, j'ai fait figurant, j'ai joué le rôle d'un méchant qui se fait tuer. Et après le deuxième jour de tournage, j'étais plutôt à la technique, donc en tant que boom operator, clapman, etc. Enfin bref, tout ce qui peut aider... à la technique sur le plateau. J'ai revu plein de collègues que j'avais pas revus depuis cher longtemps. On avait du bon matériel comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Il y a aussi Juju qui a réalisé de très très belles photographies que je vais vous mettre là un petit peu à l'écran histoire de voir un petit peu ce que ça donne. On a de très très belles images en slow motion pendant la scène de baston. On avait utilisé un fumigène un petit peu pour faire un effet de fumée un petit peu partout autour de nous et on voit les gens qui se battent comme ça, qui mettent des coups de poing ralenti et tout, c'est vraiment super cool. Je suis très très fier d'avoir participé à ce projet. Je remercie grandement Hardisk, Maxime Grandjean et Clément Kanieki pour m'avoir fait participer à ce projet, aussi bien en tant que figurant qu'à la technique. C'était vraiment super cool, je leur ai filé un très très gros coup de main, ils étaient contents aussi, c'était super cool. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir l'épisode du quatrième mur, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu aussi bien sur ma vidéo que sur celle d'Hardisk. N'hésitez pas à partager aussi bien ma vidéo que celle d'Hardisk. N'hésitez pas à commenter ma vidéo aussi bien que celle d'Hardisk, etc., etc. Enfin, vous connaissez la chanson, ça sert à rien de le répéter. Allez, ciao!